Donc bonjour, donc chapitre 23, électrolyse. Alors, pour faire très simple, l'électrolyse, en quelque sorte, plutôt je veux dire ça comme ça, dans une pile, on a une certaine réaction, et dans dans une électrolyse, on a la réaction inverse. Voilà. Dit très simplement, c'est ça hein, qu'on va étudier. Alors donc du coup, on va d'abord revoir un petit peu les piles. Hein, c'est pour ça que j'ai fait cette leçon juste après les piles. Hein. Parce qu'il y a un lien. Alors, donc ici j'ai une pile zinc-fer. Hein, donc j'ai les deux demi-piles. Dans chacune des deux demi-piles, j'ai les espèces chimiques correspondant aux deux couples redox. Hein, Zn de plus Zn, Fe de plus Fe. Et donc la pile fonctionne. Donc il y a une réaction spontanée qui se forme. Alors les réactifs, c'est ça. Donc le fer réagit indirectement sur sur le zinc. Hein. Donc le fer ici va se transformer en Fe de plus. Voilà, il va se dissoudre. Hein. Et les ions Zn vont se transformer, les ions Zn de plus vont se transformer en atomes de zinc. Donc l'électrode de zinc va s'épaissir. Hein. Voilà, donc la réaction est comme ceci. Hein. Alors c'est une réaction totale, hein, dans les piles, hein, c'est des réactions totales. Bon, alors là j'ai mis une double flèche juste comme ça, on va montrer que la réaction, oui, la réaction est totale et qu'elle se fait bien dans le sens 1. Hein. Donc voilà la réaction qui se fait. La réaction va se faire dans le sens 1 et voilà la réaction, les produits formés. D'accord? Alors, on remontre, on va montrer que la réaction se fait bien dans le sens 1. Donc ça je ne l'ai pas fait dans le cours sur les piles, mais j'en ai besoin maintenant pour ce cours-là. Donc la constante d'équilibre de cette réaction, c'est ça, hein, 6,10 10 puissance 10. On va calculer le quotient de réaction à t égale 0, hein, initialement. Alors le quotient de réaction, eh bien c'est donc pour les produits, concentration des produits, donc ça c'est un solide, on ne le met pas. Donc c'est la concentration en ion Fe de plus à t égale 0, divisé par, donc le solide, on ne le met pas, divisé par la concentration en Zn de plus à t égale 0. Hein, voilà. Alors on met des valeurs. Alors à t égale 0, il ne s'est pas encore formé des ions Fe de plus, donc on va mettre 0. Et ici, il y a une certaine concentration, il y a une certaine concentration, 0,1 mol par litre, on va dire. D'accord? Voilà. Ou alors, bon, ouais, c'est vrai que là, j'aurais peut-être pu, parce que c'est... Bon, ici, vous corrigez, parce qu'il y a des ions, à t égale 0, il y a des ions Fe de plus. Hein. Donc on va mettre 0,1 mol par litre. Hein. Donc 0,1 mol par litre pour les ions Fe de plus à t égale 0 et 0,1 mol par litre. Hein. 0,1 mol par litre, alors 0,1 divisé par 0,1, ça fait 1. D'accord? Donc moi j'ai mis 0, vous rayez, vous mettez 1. D'accord? Donc on a QR0 qui vaut 1 et KEC qui vaut ceci. Hein. Donc QR0 est très très inférieur à KEC. Donc la réaction a bien lieu dans le sens 1, d'accord, ou sens direct, d'accord, c'était logique. Alors je parle de ça parce que dans la leçon, là, on va voir la réaction dans le sens 2, d'accord. Alors on précise un petit peu ce qui se passe, la réaction dans le sens 1, donc on va dire que l'électrode de fer se dissout et l'électrode de zinc s'épaissit, voilà. Alors, et cette réaction, elle est spontanée. Hein. C'est-à-dire que si on fait ça, voilà, bah, spontanément, il y a un transfert indirect d'électrons du fer au zinc. Voilà, hein. C'est une réaction spontanée. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va enlever la résistance, là, et on va mettre un générateur. Hein. On va mettre un générateur de tension continue. Ah oui, alors donc, on précise le sens de circulation des électrons. Donc le fer se dissout, le fer donne des électrons au circuit, donne des électrons à l'électrode de zinc, et Zn de plus est attiré par les charges moins qui arrivent et va former du zinc. D'accord? Le courant est dans le sens inverse, le courant est comme ceci. Bon, alors maintenant, j'enlève la résistance et je mets un générateur, comme ceci, hein, je branche le générateur comme ceci. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien,
Le générateur, là, il est relié, donc ici, on a un fil conducteur, hein, tout ça, c'est des métaux, hein, voilà, donc ça, c'est conducteur. Cette partie-là aussi est conductrice, hein, métal, 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 voilà. Ici, j'ai une solution ionique, c'est conducteur d'électricité. Le pont salin qui contient des ions, c'est conducteur d'électricité. Ici, à nouveau, une solution ionique, conducteur d'électricité. Bref, j'ai un circuit fermé qui est constitué de conducteurs. Donc, un courant va passer. Ça, c'est sûr. Alors, le courant sort par le pôle plus du générateur. Les électrons vont dans le sens inverse. Voilà ce qui se forme. Alors, ces électrons-là, d'où viennent-ils? Bon, alors, donc, ils circulent dans le métal, là. Voilà, ils circulent dans le métal comme ceci, hein, dans les métaux. Mais d'où viennent-ils à part de ce métal-là, hein, avant? Eh bien, forcément, ces électrons viennent du zinc qui va réagir, hein, qui va former Zn2+, plus deux électrons. Donc, le zinc, le métal zinc, va donner deux électrons au circuit. Voilà. Voilà, donc ces électrons vont circuler comme ceci. Et qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, les électrons vont arriver ici, les charges moins vont arriver. Les ions Fe2+ attirés par les charges moins, hein, vont se précipiter sur l'électrode. Et Fe2+ va prendre deux électrons qui viennent d'arriver et ça va former Fe. Donc, du coup, l'électrode de fer va s'épaissir et l'électrode de zinc va se dissoudre. C'est la réaction inverse de tout à l'heure. D'accord? Donc, on appelle ça une électrolyse. Donc, on peut faire la réaction inverse d'une pile. Alors, pas toujours, hein, j'expliquerai, je reviendrai après là-dessus. Hein. On peut faire une réaction inverse d'une pile en fournissant de l'énergie, en mettant un générateur et en le branchant, bien sûr, correctement. Hein, parce que si on avait mis le pôle moins ici et le pôle plus ici, eh bien, le sens du courant et des électrons aurait été inversé, on aurait eu le même sens que dans la réaction précédente, c'est-à-dire que non seulement la pile, les électrons pouvaient fonctionner sans la pile, mais le fait, pardon, sans le générateur, mais le fait de mettre le générateur, ça aurait accéléré encore davantage la circulation d'électrons. Voilà. C'est tout ce que ça aurait fait. Voilà, on aurait favorisé en plus le transfert qui était déjà naturel. Donc, en plaçant un générateur, en mettant correctement les polarités, eh bien, on peut obtenir la réaction inverse de tout à l'heure. Alors, cette réaction qui se produit, c'est une réaction, cette réaction voilà, qui se produit, on l'a forcé à se produire. C'est grâce au générateur qui apporte de l'énergie et qui force les électrons à circuler dans un certain sens qui permet ça. Donc on dit qu'on a une réaction forcée. Cette réaction, c'est l'inverse de la réaction spontanée. C'est une réaction forcée. On obtient la réaction inverse de tout à l'heure. Bon voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc maintenant, on va lire un petit peu ce que j'ai écrit. Alors, le générateur apporte de l'énergie au circuit, c'est lui qui impose le sens du courant selon le branchement des bandes plus et moins du générateur. D'accord? Donc on avait cette réaction-là, ça c'est la réaction que j'ai écrite tout à l'heure. Mais maintenant, ce que l'on obtient, vous voyez, le Zn de plus, quoi, Zn se transforme en Zn de plus, voilà, hein, ça c'est le produit formé. Et Fe de plus se transforme en Fe, hein, donc c'est la réaction dans le sens 2 hein, qui se produit, hein, ou dans le sens inverse. Alors, en faisant circuler les électrons dans le bon sens, grâce au générateur, on peut réaliser la réaction ci-dessus dans le sens inverse, hein, à la réaction spontanée, c'est-à-dire dans le sens 2, hein, sens inverse. Voilà, alors, ce qu'on note, c'est que ce type de réaction, c'est une réaction forcée. Et pour qu'elle puisse être réalisée, il nous faut une source d'énergie. La source d'énergie, là, c'est le générateur. Cette transformation nécessite une source d'énergie extérieure. Voilà, c'est surtout ça qui est nouveau hein, dans la leçon. Voilà. Donc, après, les électrodes, dans le cas des électrolyses, elles portent des noms. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on va voir un cas concret. Hein. Donc, on précise ce qu'est une électrolyse. Hein. Alors, l'électrolyse est une technique permettant de réaliser des réactions d'oxydoréduction par transfert indirect d'électrons en utilisant un générateur.
par réaction forcée. Hein. Voilà. Si vous voulez, quand on fait une réaction d'oxydoréduction, en général, on mélange voilà, deux réactifs et ça se fait naturellement. Mais si on veut obtenir la réaction inverse qui se produit naturellement, eh bien, l'électrolyse est une technique. Voilà, pour ça, il faut mettre un générateur. Alors, par exemple, la synthèse des gaz d'hydrogène et d'oxygène. Alors, le dispositif est le suivant. Alors, la réaction qui est spontanée, c'est la réaction suivante. Hein, regardez. Si on mélange du dihydrogène avec du dioxygène, si on mélange ces deux gaz, alors, ils ne vont rien faire si on les mélange, hein, rien de particulier. Mais s'il y a une toute petite étincelle, il suffit de mettre juste une étincelle, on aura une réaction extrêmement violente et qui va former de l'eau. Hein. C'est une réaction qui se fait très bien, qui est spontanée, hein, à condition de mettre un petit choc, si vous voulez. Hein. Donc ça, il faut faire attention, hein, quand on a ce mélange-là, il faut faire très attention. C'est un mélange explosif, hein, parce que la réaction se fait très bien. Hein. Une fois qu'elle est lancée, elle se fait très bien. D'accord? Donc, voilà, donc ça c'est la réaction spontanée. D'accord? Alors nous, ce qu'on va faire, c'est la réaction inverse. À partir de l'eau, on veut former de l'hydrogène et du dioxygène. Hein, quand vous avez de l'eau, eh bien l'eau, naturellement, hein, spontanément, ne se transforme jamais en dioxygène et en hydrogène. C'est ce qu'on va faire, et justement en mettant un générateur, en apportant une source d'énergie. Alors le dispositif, alors voilà, donc c'est par électrolyse. Hein, donc je dis, hein, par électrolyse, on peut réaliser la réaction forcée de ces deux gaz, c'est-à-dire la réaction dans le sens 2. Hein. Alors voilà le dispositif. Hein. Donc on a notre générateur. On a deux électrodes ici. Alors, c'est des électrodes en platine. On utilise un métal inerte, hein, qui ne réagit pas. On met de l'eau, hein, ici, de l'eau. Ici, on a deux tubes remplis d'eau. Hein, voilà, on les remplit d'eau, on les retourne comme ça. Voilà. Alors, pour que ça marche, il faut mettre des ions H+, donc c'est de l'eau acidifiée qu'il faut marcher, parce que vous verrez, dans les demi-équations redox, il y a des ions H+ qui apparaissent. Donc, il faut mettre de l'eau acidifiée, hein, pour que ça marche. Donc, alors, cette espèce de cuve, là, un peu bizarre, avec deux... alors, si on a le temps, on fera un TP. Cette espèce de cuve un peu bizarre, avec deux électrodes, et puis voilà, des tubes à essai retourné, on appelle ça un électrolyseur. Alors, des électrodes en platine, parce qu'il ne faut pas qu'elles réagissent, voilà, qu'elles viennent polluer, entre guillemets, la réaction. On met de l'acide sulfurique, c'est-à-dire de l'eau avec de l'eau acidifiée. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu ce qui se passe au niveau des électrodes 1 et des électrodes 2, et ces électrodes ont des noms. On va voir les noms, hein, anode et cathode, hein, on va voir ça. Alors, donc, du coup, j'ai un générateur qui est constitué ici de conducteurs métalliques, hein, donc ces de conducteurs métalliques, et ici une solution qui contient des ions, donc une solution conductrice d'électricité. Donc un courant va circuler. Le courant sort par le pôle plus du générateur, voilà. Les électrons circulent dans le sens inverse, comme ceci. Alors qu'est-ce qui se passe sur l'électrode E1? Au niveau de l'électrode E1, eh bien des électrons arrivent. Donc il y a une espèce ici, hein, une espèce dans la solution, qui va prendre ces électrons et ça va former une autre espèce. Hein. Donc on va écrire ça comme ça. Hein. Alors réaction au niveau de l'électrode 1. Alors espèce 1 plus électron donne espèce 2. D'accord? Donc là on a un gain d'électrons, c'est-à-dire qu'on a une réduction. D'accord? Et donc ça, faut l'admettre, hein. L'électrode où a lieu une réduction s'appelle la cathode. Hein. Il faudra se souvenir de réduction cathodique. D'accord? Donc ça on l'écrit. L'électrode sur laquelle a lieu une réduction s'appelle cathode, retenez, réduction cathodique, hein, et oxydation anodique. Allez, au niveau de l'électrode 2, eh bien, des électrons partent de l'électrode 2 et vont dans le circuit. Donc du coup, il y a une espèce ici qu'on va appeler espèce 3, bah, qui va céder un ou plusieurs électrons, et il va se former une espèce 4. D'accord? Voilà, donc là on a une perte d'électrons, c'est-à-dire qu'on a une oxydation. Et l'électrode sur laquelle a lieu une oxydation s'appelle anode. Oxydation anodique. Voilà, hein, l'électrode sur laquelle a lieu une oxydation s'appelle anode, et vous retenez oxydation anodique.
Voilà pour les termes. Hein. J'ai mis en rouge, il faudra le savoir. Bon, alors maintenant on va rentrer un petit peu dans le détail. On va écrire les deux équations redox. Alors, les couples redox mis en jeu. Hein, il nous faut les couples redox avec H2 et O2, puisque ce sont eux qui se forment. Et donc c'est H plus H2, O2, H2O. On écrit les deux demi-équations redox les deux demi-équations redox. Alors, demi-équation redox. Alors, donc, H2, alors je vais commencer avec celui-là. H2, c'est le produit. Donc je le mets à droite de la flèche. Et H plus, c'est le réactif à gauche. Voilà. Donc, 2H, il me faut 2H. Voilà, donc je mets 2. Maintenant, je mets les électrons. Et eh bien, ça va faire 2H plus à gauche. Hein, 2 électrons ici. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai une réduction. Hein? J'ai une réduction, et donc c'est sur l'électrode E1, puisqu'on a dit que sur l'électrode E1, il y avait une réduction. Donc réduction sur l'électrode E1. Alors l'autre couple redox, l'autre demi-équation redox. Eh bien, O2, c'est le produit, donc je le mets à droite de la flèche, et H2O, c'est le réactif, donc à gauche de la flèche. Alors, on équilibre d'abord les oxygènes, donc 2O, je mets un 2 devant là. Ensuite, ici, les H, j'ai 4H à gauche, donc je mets 4H plus à droite. Voilà, et donc maintenant les électrons, donc neutre à gauche, chargé 4 plus à droite, donc 4 électrons à droite. D'accord? Donc là, j'ai une oxydation, donc c'est sur l'électrode E2. Voilà, donc l'équation bilan. Alors voyez, au fait, il faut mettre de l'eau acidifiée parce que vous voyez, il y a des ions H+ qui apparaissent. Hein. Il y a des ions H+ sont mis en jeu, hein. Donc sur les réactions au niveau des électrodes. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre de l'eau avec des ions H+, donc acidifiée. Équation bilan. Alors équation bilan, donc du coup, j'ai deux électrons ici, j'en ai quatre ici, donc je vais multiplier par deux. Je vais tout multiplier par deux ici. On tire un trait. On met la petite flèche, voilà. Alors, la petite flèche ici. Alors, donc ici, j'ai 4H+ à gauche de la flèche, mais j'ai 4H+ à droite, donc il s'élimine. Ensuite, j'ai 4 électrons à gauche de la flèche, j'ai 4 électrons à droite, donc les électrons s'éliminent et c'est normal. Donc, qu'est-ce qui va rester? Il va rester 2H2O à gauche, 2H2 à droite et O2 à droite. Voilà. Voilà l'équation bilan. Globalement, voilà ce qui se forme. Hein. Donc, l'eau se transforme comme ceci dans une électrolyse. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va voir concrètement? Alors, quand le courant va circuler, eh bien, il va y avoir formation des gaz ici. Donc, on va avoir des bulles qui vont s'échapper de la réaction qui se passe sur la surface des électrodes. Donc, sur la surface des électrodes, il va y avoir des bulles. Donc, j'ai dessiné des petites bulles, là, voilà, comme ça. Et le gaz va s'accumuler en haut, donc le niveau d'eau va descendre. Mettons ici, d'accord? Hein, puis plus ça va continuer, plus le gaz va s'accumuler, plus le niveau va descendre. Donc ça, c'est sur l'électrode 1, c'est le dihydrogène qui se forme. Voyez. Alors maintenant, regardons un petit peu l'équation bilan. On voit qu'il se forme 2 moles d'hydrogène pour 1 mole de dioxygène. Donc du coup, il va se former deux fois plus de dihydrogène que de dioxygène. D'accord? Hein, parce que je vous rappelle que le volume d'un gaz dépend seulement de la quantité de molécules de gaz qui se forment, pas de la nature, hein, du gaz. Alors ça c'est H2, voilà. Donc là des petites bulles qui se forment, et donc moitié moins, il va se former moitié moins de dioxygène. Donc le trait, je ne vais pas le faire ici, je vais le faire ici. Là. Voilà, d'accord? Bon. Eh bien, vous mettez en pause et vous faites l'exercice 6, page 182. Alors, moi, je mets ça ici. Alors, je le corrige. Donc, ils disent de recopier, donc on fait une électrolyse. Une électrolyse avec les ions Cu2+ et Br-. On a deux électrodes ici. Il faut mettre un générateur. Et on vous dit de brancher correctement le générateur de telle sorte que l'électrolyse se fasse. Donc en gros, il ne faut pas se tromper sur la polarité. Donc, on dessine, je dessine le générateur.
comme ceci. D'accord? Alors. Donc du coup, maintenant il faut mettre les bornes plus et moins. Alors, je regarde un petit peu. Cu2+, qui est ici, va prendre deux électrons qui viennent du circuit. Hein. Donc du coup, ici, il va y avoir électrons qui vont venir. Hein. Donc ça doit être confirmé par ici, Br- qui est dans la solution, va fournir deux électrons au circuit. Donc ici, il y a des électrons qui partent. Voilà. Je sais que le courant sort par le pôle plus du générateur. Bon, je vais le mettre en noir. Hein. Pardon. Je sais que le courant est dans le sens inverse des électrons, donc I comme ceci. Voilà, et je sais que le courant sort par le pôle plus du générateur, plus et moins. Voilà, je crois que c'est tout ce qu'il fallait faire, je lis. Précisant le branchement du générateur, le sens conventionnel du courant, le sens... ouais, c'est bon. Voilà pour cet exercice. Alors, on reprend, c'est ici, ici, hein, voilà. Et là, non, je fais n'importe quoi, là. Voilà. Alors, donc maintenant, exercice, voilà, quantitatif, alors, mais, en fait, ça c'est comme les piles, hein. Voilà, les calculs, si vous voulez. On fait des bilans molaires avec les quantités d'électrons et les quantités de réactifs formés ou consommés. Bon, alors, l'électrolyse qu'on vient d'étudier, eh bien, on l'a fait durer 10 minutes et on a un courant de 0,28 ampères. Et la question, ça va être quels sont les volumes de gaz formés. Alors, voilà, hein, volume de gaz formé, voilà les questions. Bon, alors, il nous faut une formule avec la durée, et la formule avec la durée, c'est la définition d'intensité du courant électrique, le courant continu. Donc, vous vous souvenez, I égale dQ sur dT, mais là, comme c'est continu, c'est I égale delta Q sur delta T. Voilà. Donc, nous, on va obtenir, I, on l'a, c'est 0,28, 10 minutes qu'il faudra mettre en seconde, hein, donc on l'a, delta T, on l'a ici, et donc du coup le volume formé, on va l'obtenir avec le delta Q, d'accord? Donc on va isoler delta Q, voilà. Et delta Q, on va le mettre avec l'autre formule. Alors, la quantité d'électricité produite par, au cours des 10 minutes, eh bien, elle vient des électrons qui ont été transférés. Un certain nombre d'électrons qui ont été transférés fois la charge d'un électron. Voilà. Donc c'est N fois E. E, c'est la charge d'un électron. Quoi, la valeur absolue de la charge d'un électron. Et N, c'est le nombre d'électrons. Et N, on avait dit que c'était la quantité d'électrons transférés fois la constante d'Avogadro. Donc je l'écris ici. Hein. La quantité d'électrons transférés fois la constante d'Avogadro. Donc du coup, maintenant, il faut que j'écrive une relation entre la quantité d'électrons transférés et la quantité d'hydrogène ou d'hydrogène formé ou de dioxygène formé, hein, avec les deux équations redox, hein, soit l'un soit l'autre. Voilà, donc j'ai pris le d'hydrogène. Eh bien, d'après cette demi-équation redox, on peut dire que la quantité d'électrons consommés divisé par 2, c'est égal à la quantité de l'hydrogène formé. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, je vais transformer maintenant... donc, du coup, la quantité d'électrons, eh bien, c'est deux fois NH2. Hein, j'isole. Voilà. Et ça, je le mets ici. D'accord, donc je reprends cette formule. Voilà. Ensuite, je calcule, j'isole la quantité de H2. Voilà. Alors, je ne sais pas si je l'ai calculé. Je vais regarder. Oui, je l'ai calculé. Très bien. Voilà. Alors, il faut faire attention au delta T. Hein, donc, 10 minutes fois 60 secondes. Voilà, le reste, vous l'avez. Hein, le reste, on l'a. Donc, on calcule. Donc là, on a la quantité d'hydrogène formé. Donc du coup, maintenant, il nous faut le volume.
de d'hydrogène. Alors, vous voyez le volume de d'hydrogène, on va l'obtenir avec cette formule-là. D'accord? Donc, le volume de d'hydrogène, c'est la quantité d'hydrogène divisée par le volume molaire. Le volume molaire, c'est un volume, puisque c'est des litres, divisé par une quantité. Donc le volume, c'est la quantité fois le volume molaire. Donc du coup, on met, ben, on remplace. Hein, alors c'est en litres, hein, on va voir le résultat en litres. Voilà, hop. Ah ben, bon, d'accord, donc c'est, je ne l'ai pas mis, ça fait ça fois ça. Et donc on trouve 0,021 millilitres, donc 1, 2, 3, donc ça fait 0,021 litres, donc ça fait 21 millilitres. Très bien. Voilà. Alors je vais juste faire une petite remarque sur cette formule-là. Hein, delta Q. Il y a deux formules avec delta Q, hein, ou Q, hein, on aurait pu dire Q. Hein. C'est grand N fois NE ou petit n fois NA fois E. Mais il y en a une troisième. D'accord? Donc on va avoir une grandeur qui s'appelle le Faraday. Hein, je fais une remarque, la grandeur, le Faraday. Voilà. Donc. Si on fait la multiplication de ces deux nombres, qu'est-ce que ça donne concrètement la multiplication de ces deux nombres? Ça, vous voyez, c'est la charge, la valeur absolue de la charge d'un électron, hein, 1,6, 10-19 coulomb. Et on multiplie ça par une mole d'électron. Donc on va obtenir une grosse charge. Et cette grosse charge, ça va être la charge d'une mole d'électron. Et bien ça, on appelle ça le Faraday. Hein. Donc le F, voilà, donc ça charge d'une mole d'électron. Donc F, eh bien, c'est ce produit-là. D'accord? Donc on fait le calcul. Voilà. Et on trouve, voilà, 96 000 coulombs pour une mole, hein, d'électrons, coulombs par mole. Voilà, donc du coup, la formule, hein, delta Q, elle, voilà, ici, la formule delta Q peut s'écrire N, et ça, vous voyez, c'est F, hein, voyez. Donc NF, hein, ça peut s'écrire aussi comme ça. D'accord, donc voilà, c'est un peu compliqué, mais pour Q, vous avez trois formules, hein. Celle-là, celle-là et celle-là. Ça dépend des exercices. Bon, alors je sais pas ce que j'ai fait là. Ah oui, alors maintenant, il faut chercher le volume de dioxygène. Donc on va trouver moitié moins. Alors, bon, alors on refait un bilan molaire. Hein. Donc. Le volume de dioxygène, c'est la quantité de dioxygène divisée par le volume molaire. On fait un bilan molaire pour trouver la quantité de dioxygène. Voilà. On a cette quantité-là. Donc on fait un bilan molaire entre les deux, là. Je l'écris. Voilà. Donc la quantité de dioxygène formé, c'est la moitié de la quantité d'hydrogène formé. Donc du coup, bah, ça va être pareil pour les volumes. Voilà. Donc du coup, la moitié. Hein, d'accord. Ouais, bah, donc c'est la moitié. Alors, eh bien, vous mettez en pause et vous faites l'exercice 8, page 183. Alors, je le corrige. Alors. Donc, c'est l'électrolyse de l'eau. Hein. Alors, en fait, c'est la question inverse, hein, ce qu'on a comme données, c'est le volume formé de d'hydrogène. On a l'intensité. Alors, on vous dit qu'il y a une histoire de rendement. Alors, on vous parle du rendement d'électrolyse. Ok, donc on vous explique ce que c'est que le rendement d'électrolyse. D'accord. On vous dit que donc le rendement d'électrolyse, c'est le volume d'hydrogène produit divisé par le volume de d'hydrogène maximal. Et on vous précise que le volume de d'hydrogène maximal serait le volume de d'hydrogène produit s'il n'y avait aucune perte d'énergie. Bon, très bien. Et on vous demande d'estimer la durée delta T. Mais il y avait une question d'abord. On vous demande de déterminer la borne du générateur à laquelle est reliée l'électrode où se dégage le dihydrogène. Où se dégage le dihydrogène. Et vous avez des couples redox. Ok. Alors, donc, on va faire un petit schéma. Ici. Voilà, tac. Et on a
le générateur. Ici, le dihydrogène va se dégager, hein, ici, H2. Et on vous demande ici, est-ce que c'est la borne plus ou est-ce que c'est la borne moins? Bon, alors, on vous donne le couple H plus H2. Voilà. Donc, on écrit la demi-équation redox qui se forme sur cette électrode-là. Donc H+, puisqu'il se forme H2, je le mets à droite. Voilà. Donc, 2H+, 2 électrons. Donc, c'est une réduction. Bon, alors, à la limite, ça on s'en fout que ça soit une... On s'en moque que ça soit une réduction. Mais il y a plus 2 électrons. Donc, ça veut dire que 2 électrons doivent arriver sur l'électrode de platine, ici. Donc, 2 électrons arrivent comme ceci. Enfin, électrons, je mets. Voilà. Donc, ça veut dire que le courant circule dans ce sens-là. Dans ce sens-là. Voilà. Et le courant sort par la borne plus du générateur. Et donc, du coup, c'est relié à la borne moins. Voilà. Alors, on peut mettre une phrase. Alors, on va donc réduction. Alors, c'est pas demandé. Hein, réduction cathodique. Cathodique. Donc, à la cathode. À la cathode. Il se produit une réduction. Il se produit. À la cathode, on met une flèche comme ça, il se produit une réduction. Cela nécessite un apport d'électrons. Un apport d'électrons par le générateur. D'où le schéma ci-dessus. Bon, voilà. D'où le schéma ci-dessus. Voilà, alors ça c'est la question 1. Alors, question 2 maintenant. Question 2, on vous demande... alors, c'est delta T. On vous demande la durée. Alors, eh bien, on commence... Alors, delta T... Il faut une formule pour delta T. Il va de soi que c'est l'intensité du courant. Ça n'apparaît que là. Hein. Donc I égale delta Q sur delta T. Donc du coup... Ah zut, j'ai fait comme l'autre fois. Je suis désolé. À chaque fois j'oublie. Je suis désolé. Vous regarderez. Alors, ensuite, donc du coup, hein, delta T, hein, bah, alors vous lirez ça hein, tranquillement, voilà, c'est ce que j'ai dit oralement. Donc delta T est égal à delta Q sur I. Delta T égale delta Q sur I. Alors, I, on l'a. Et donc, c'est delta Q. Alors, delta Q. Delta Q, alors, voilà. Donc là, il faut regarder un peu les données. Parce que, je vous dis, il y a trois formules avec delta Q. Et donc, vous voyez, dans les données là, que vous avez, il n'y a pas la... La constante d'Avogadro, il n'y a pas la charge de l'électron, mais page ici, là, page 182, c'est ce que je voulais. Vous voyez, il y a le Faraday, d'accord? Ici, il y a le Faraday. Hein. Parce que ça, c'est une donnée, si vous voulez, qui donne pour tous les exercices du livre, hein, cette donnée-là. Hein. C'est pour tous les exercices du livre, sur ce chapitre, quoi. Hein. Donc, du coup, on va dire que delta Q, eh bien, c'est la quantité d'électrons fois F. Très bien. Alors, ensuite, je reprends ma demi-équation redox.
Voilà, je fais donc parce qu'il va falloir mettre ici, il va falloir mettre un volume de d'hydrogène. Donc du coup, j'écris que la quantité d'électrons, la quantité d'électrons divisée par 2, hein, la quantité d'électrons donc consommée divisée par 2 est égale à la quantité d'hydrogène sur 1. Alors formé. Alors attention, formé, mais ça c'est la quantité maximale, hein, qu'on obtient maximale. Voilà, ça c'est lié à cette donnée-là. Le volume d'hydrogène max serait le volume de d'hydrogène produit s'il n'y avait aucune perte d'énergie. Donc là, pour l'instant, on suppose qu'il n'y a aucune perte d'énergie. Hein, donc s'il y a, voilà, c'est-à-dire que toute la, tous les électrons transférés servent effectivement à former le d'hydrogène. Donc max, hein, formé. La plus grande quantité possible. Bon, très bien. Alors donc du coup, n électrons consommés, c'est égal à 2 fois la quantité de H2 max. Et ça, je le mets ici, hein. Donc, delta Q est égal à 2 fois la quantité de d'hydrogène max fois F. Ensuite, je sais que, or, la quantité, alors donc le volume molaire, hein, le volume molaire d'un gaz, or le volume molaire d'un gaz, donc c'est des, alors le volume molaire, là donc on regarde, hein, le volume molaire, on vous l'a donné, oui, c'est des litres par mol, hein, des litres par mol, donc du coup, c'est le volume de d'hydrogène max divisé par la quantité la quantité de d'hydrogène max. Donc la quantité de d'hydrogène max, c'est le volume de d'hydrogène max divisé par Vm. D'accord. Bon, alors ça, c'est un peu long la rédaction, hein. Donc ça c'est 1. Ça c'est 2. Donc du coup, ça, il faut que je le mette là. Hein. Donc ça fait delta Q. Alors je vais copier. Donc du coup, on a. Alors delta Q, ça fait 2 fois. Volume de H2 max sur Vm fois F. Voilà. Bon, du coup, alors, le problème, c'est que nous, maintenant, on n'a pas le volume que l'on a, c'est pas le volume maximal, c'est le volume réellement produit. D'accord? Volume réellement produit. Donc, du coup, il va falloir utiliser le rendement. Donc, le rendement. Or, le rendement, c'est VH2 produit sur VH2 max. Voilà, donc du coup, VH2 max, puisque je vais remplacer ici, hein. Donc c'est égal à VH2 produit divisé par le rendement. Donc du coup, alors delta Q égale, alors je vais mettre une grande barre de fraction, donc ça fait 2 fois, alors ça je le remplace, donc ça va faire VH2 produit fois F divisé par Vm fois le rendement. D'accord? Bon, ben là, je pense que c'est bon. Alors maintenant, je reprends ici, je reprends ça. Hein, delta T, c'est delta Q divisé par I. Hein, donc, il faut que je mette I au dénominateur. Hein. Donc, d'où delta T est égal à une grande barre de fraction 2VH2 produit
fois F divisé par Vm fois mu, et donc il faut que je divise par i. Donc ça revient à faire ça. Bon, eh bien on fait l'application numérique. Delta t. Alors 2 fois. Alors ça c'est combien ça? C'est 36,86 fois 96 500, c'est ça? 96 500. Divisé. C'est combien de volume molaire? Volume molaire, 24,5. C'est des litres, hein, donc hein, pas de problème. Ah oui, ça c'est des litres, hein, donc ouais, ça faut les faire attention, oui, oui. 3686 litres, hein, voilà. Fois le rendement 0,8, c'est ça, 0,8, je crois que j'avais vu. Ouais, 0,8, ouais, 0,80. Et alors, l'intensité, alors faut faire attention, c'est des kiloampères, il faut la mettre en ampères, donc 10 fois 10 puissance 3. Égal. Alors ça, j'ai fait le calcul. Alors attendez, je vérifie bien que c'est ça, hein, que j'avais mis. Ouais, c'est bon, c'est ça. Hein. Donc ça fait 3630 secondes. Hein. Donc deux chiffres significatifs. Donc 3,6 10 puissance 3. Voilà. Vous voyez, c'est l'exercice inverse. Hein. Vous voyez, c'est un peu long. Hein. C'est un peu long. Alors, on reprend. Ah oui, 11 millilitres, ok. Bon, bref. Ah oui, alors, ça c'est ce que je disais. Alors, au tout début. Donc, la réaction inverse d'une pile, ou la réaction inverse d'une réaction spontanée en oxydoréduction n'est pas toujours possible par électrolyse. Voilà, c'est pas toujours, je prends un exemple. Voilà, par exemple, j'ai cette réaction spontanée entre les ions MnO4- et les ions Fe2+. Hein. Voilà, j'ai cette réaction spontanée. Donc si je fais deux demi-piles, mettons, avec ça, et si je mets un générateur, eh bien, je ne vais pas du tout, Mn2+, ne va pas se transformer en MnO4- et Fe3+, en Fe2. Voilà, ça ne marche pas toujours, hein, parce que c'est compliqué, les réactions aux électrodes, elles sont compliquées, parce qu'il y a le solvant qui peut réagir, et même parfois les électrodes peuvent réagir. Donc voilà, c'est des réactions compliquées, donc ça ne marche pas systématiquement. Alors, je crois que c'est ce que j'ai écrit. La transformation ci-dessus est une réaction de transfert d'électrons. Bon, bref, c'est une réaction totale dans le sens 1, elle est spontanée. La réaction forcée dans le sens 2 par électrolyse n'est pas réalisable. D'une façon générale, les réactions aux électrodes sont difficiles à prévoir, car de nombreuses espèces peuvent réagir, le soluté, le solvant, les électrodes. Alors ensuite, deux applications. D'abord, les batteries. Et ensuite la synthèse chlorophyllienne. Alors les batteries, les batteries de voiture, hein, donc ce sont le nom ça s'appelle accumulateur au plomb. Alors quand on dit un accumulateur, ça c'est un dispositif qui fonctionne en pile et une pile qui est rechargeable par électrolyse. Hein, donc pile et réaction inverse électrolyse. Hein. Voilà, c'est ça que ça veut dire accumulateur, un accumulateur. Donc alors, on va voir le fonctionnement d'une batterie en tant que pile et une fonction de la batterie en tant qu'électrolyse, hein, quand la batterie est électrolysée. Alors, donc ici, on a la pile. Alors, donc d'abord, ici, au-dessus, là, c'est le fonctionnement en tant que pile, et puis en dessous, fonctionnement en tant qu'électrolyse. Alors, la batterie, elle sert à quoi? Elle sert surtout à faire démarrer la voiture. On met la clé de contact, on tourne, et ça sert à faire démarrer le moteur. Et une fois que le moteur est lancé, eh bien, le carburant prend le relais, hein, l'énergie thermique prend le relais. Mais au début, c'est de l'énergie électrique, au début, hein, qui fait démarrer le moteur. Alors, donc la batterie, on dit que c'est une pile. Alors cette pile, hein, ce générateur, si vous voulez, va alimenter un moteur électrique, qu'il y a dans le moteur, hein, de la voiture. On appelle ça un démarreur, hein, mais c'est un moteur électrique. Et donc vous voyez, l'axe ici va tourner. Cet axe va faire tourner le vilebrequin, hein, qui est là. Voilà. Et ça va faire monter et descendre les pistons. D'accord ? Et une fois que les pistons montent et descendent un petit peu au début, eh bien l'explosion peut se former et l'essence prend le relais à ce moment-là.
D'accord ? Donc ça, c'est le fonctionnement en tant que pile. Alors je l'écris ici, pile, moteur électrique, et le moteur électrique fait tourner le vibroquin. Voilà. Et ensuite, le moteur fonctionne. Alors une fois que le moteur fonctionne, eh bien, il faut recharger la pile. Alors pourquoi il faut recharger la pile ? Parce qu'elle s'est un peu usée déjà en démarrant, mais en plus de ça, la batterie, on l'utilise pour les phares, pour la radio, voilà. Donc, même quand la voiture roule, la batterie est utilisée. Donc, du coup, il faut la recharger. Alors, comment ça fonctionne ? Alors, elle est rechargée par électrolyse. Alors, le vilebrequin là, qui tourne, eh bien, donc il faut la charger par électrolyse. Donc, du coup, il nous faut un générateur. Un générateur qui va faire la réaction inverse, hein, qui va être branché sur la batterie. Donc comment est fait ce générateur ? Ben, c'est grâce à un alternateur. Alors l'alternateur, comment ça fonctionne ? Eh bien, le vilebrequin là qui tourne, eh bien, fait tourner l'axe de l'alternateur. Voilà, puis avec un dispositif d'aimant et de bobine, eh bien, ça crée un courant électrique. Hein, voilà. Donc l'alternateur convertit de l'énergie mécanique en énergie électrique. Donc du coup, ça, on va dire que c'est un générateur. Et ce générateur, donc on le branche à la batterie et ça fait, ça recharge la batterie. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement inverse. Donc moteur thermique, alternateur, électrolyse. Voilà, voyons voir un peu dans le détail maintenant les demi-équations redox et tout ça. Alors les demi-équations redox, les voici. Donc là, je les ai mis dans le sens fonctionnement en pile, d'accord ? Alors les réactifs, c'est des trucs un peu bizarres, hein, vous voyez, c'est pas le Fe de plus Fe, Ci de plus Cu, hein, voilà, parce que c'est des réactifs un peu bizarres qui fournissent beaucoup de courant. Voilà. Donc sur une électrode, ce qui réagit, c'est l'oxyde de plomb, et l'autre électrode, c'est le plomb. Alors l'oxyde de plomb se transforme en ion plomb, et sur l'autre électrode, le plomb se transforme en ion plomb aussi. D'accord ? Donc voilà l'équation bilan. Donc j'ai voilà, deux schémas qui montrent le fonctionnement en tant que pile. Hein, d'abord en tant que pile, et puis ici, après, en tant qu'électrolyse. Alors, une électrode, vous voyez, c'est... Il y a l'oxyde de plomb, là, qui est ici, hein, qui est sur l'électrode. L'autre électrode, c'est du plomb. Et puis, il y a... Alors, c'est pas précisé, mais ici, il y a des ions Pb de plus, et... Il y a des ions H+ qui interviennent, donc il faut acidifier. C'est pour ça que dans les batteries, il y a de l'acide. Hein, c'est liquide. Voilà. La solution ionique est acide, voilà, dans les batteries. Donc ça, c'est le fonctionnement en tant que pile. En tant qu'électrolyse, donc voilà, ça c'est l'alternateur, en fait, hein, qui est le générateur. Et donc là, il y a la... Donc, c'est la réaction dans le sens 2, et on reproduit, hein, si vous voulez, on restaure les réactifs qui ont été consommés, c'est-à-dire PbO2 et Pb. Hein, c'est la réaction inverse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans la solution, alors, voyez, les produits formés, là, c'est Pb de plus. Hein, donc, les réactions dont je vais parler, c'est les réactions inverses, ici. Donc, Pb de plus, là, va former PbO2 et 2 électrons et 4H+. Donc Pb2+, voilà, se transforme en PbO2 et fournit 2 électrons au circuit. Et ici, Pb2+, forme, prend 2 électrons du circuit et forme Pb. D'accord ? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ? Alors, fonctionnement en tant que pile, c'est une réaction spontanée, d'accord ? Dans le sens 1, réaction totale. Et recharge de la batterie, c'est une réaction forcée, dans le sens 2. Enfin, l'organisme, les organismes chlorophylliens. Alors, ici, on a une réaction spontanée. Donc là, c'est du glucose, hein, plus du dioxygène. Donc ça donne du CO2 plus de l'eau. Voilà, donc ça c'est la respiration, donc c'est une réaction spontanée dans le sens 1. Et la photosynthèse, donc apport d'énergie lumineuse, donc là c'est pas un générateur avec c'est pas un générateur qui apporte de l'énergie électrique, hein. Donc là c'est la lumière qui apporte de l'énergie lumineuse et qui permet de faire la réaction dans le sens 2. Alors ça se voit pas, mais c'est une réaction d'oxydoréduction en quelque sorte, hein. Ça se voit pas. Donc là, la photosynthèse, c'est l'équation bilan que j'ai mis là. J'ai pas mis les demi-équations redox.
Donc la photosynthèse, réaction forcée dans le sens 2, et l'apport d'énergie est fait par la lumière. Et bien voilà, cette réaction, cette leçon est terminée.